paix sur la Côte d'Ivoire. Je crois que j'ai entendu qu'il y a aussi une télévision qui vient de, qui représente une télévision média anglophone, c'est ça? Ok, so I also hear we have English media here, so we welcome this TV. So we are here to talk about our situation in Côte d'Ivoire, political situation. So hope you can also hear French. Ok, so. Donc, bonjour à tous. Je suis le sacrificateur parfait d'Oukourou. Je ne suis pas celui-ci. Voilà. On a le représentant du PDCI, qui il est le secrétaire national à l'organisation du bureau de la jeunesse du PDCI, qui a été pour prendre part à toutes les activités au sein du mouvement. Nous avons aussi un représentant du nom de Plochal qui représente le GPS de Oui, c'est allumé, voilà. En fait, il y a un journaliste qui me demandait d'allumer son truc, son micro. Donc, comme je le disais, il représente le GPS du ministre Soro Diom, du président Soro Diom. C'est du mouvement citoyen non au troisième mandat, qu'on appelle le N3M. C'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement politique, il faut le souligner. Et ce mouvement a été mis en place à la veille de la déclaration du Conseil constitutionnel pour les différents candidats qui vont prendre part à l'élection du 31 octobre. C'est un mouvement qui comprend Donc, voici un peu l'ensemble de ceux qui constituent ce mouvement. Donc, je vais parler au nom de tous ces mouvements-là. Il s'agit donc du mot d'ordre du mouvement citoyen non au troisième mandat N3M pour la mise en exécution effective de la désobéissance civile du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, au moment de son accession à l'indépendance en 1960, créée occidentale d'État-nation. Si l'on ne peut s'empêcher de rendre un vibrant hommage au père bâtisseur, Oufouet-Boigny, de notre indépendance, il convient cependant que notre pays doit passer par un processus pour devenir une véritable nation. De nombreux Ivoiriens connus ou anonymes, le président Koudou Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont payé le prix pour ce processus qui exige la lutte pour le multipartisme, la souveraineté et enfin pour le respect des valeurs démocratiques. Dont la présidente Pulchérit Edith Gbalé, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI,
les femmes de la génération Peuple Solidaire, GPS, et Madame Yoboué Akissi Antoinette, inspectrice du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ainsi que le secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, Kouah Justin. Le constat malheureux est que sur le chemin de l'unité, pour l'avènement d'une nation ivoirienne, se dresse la répression, les brimades, les emprisonnements et les assassinats perpétrés par M. Alassane Ouattara et le régime dictatorial du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Face à ces violences qui visent à museler le peuple ivoirien, se dégage une problématique. Faut-il se résigner ou continuer la lutte pour la démocratie? Allons-nous fuir notre combat pour donner à nos enfants? Car le combat pour bâtir la nation ivoirienne, qui exige le respect de la Constitution et des valeurs démocratiques, est inévitable. La stabilité de la paix sociale, la reconstruction du sensible tissu social, déjà en lambeaux, et l'unité du peuple nécessite de bannir maintenant, avec la dernière énergie, tout esprit pouvant instaurer dans la Côte d'Ivoire future une dangereuse jurisprudence permettant d'interpréter notre constitution selon les cas de force majeure. Nous avons le devoir de lutter maintenant afin que nos enfants vivent dans une nation forte. Non, jamais. Nous ne devrons nous résigner, car les signes de Dieu sont déjà là et palpables. Depuis ces dernières années, ces signes démontrent que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est sur le point de délivrer son peuple pour bâtir une nation forte. Oui, chaque jour nous voyons la main forte de l'Éternel des armées. La défiance et le durcissement de M. Alassane Ouattara et du RHDP ont fini par rassembler toutes les filles et fils de tous les partis politiques de l'opposition en produisant une déclaration commune à la désobéissance civile. Parce que tous les partis de l'opposition sont d'accord pour défendre la démocratie, le mouvement citoyen N3M salue cette déclaration et croit fermement à notre victoire pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Car, comme le dit les paroles saintes en Matthieu 18-19, et je cite, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Que veulent encore attendre les Ivoiriens pour faire face à leurs devoirs citoyens? Si tous les leaders de l'opposition ont déjà parlé par la voix du président Aimé Henri Kouna Bédié du PDCI. Faut-il attendre encore que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé vous disent ce que chacun doit faire pour aboutir au report des élections? Qu'attendent encore les Ivoiriens de la communauté internationale? Je parle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'Union européenne, qui n'hésite pas à interpeller vertement le régime RHDP sur ses dérives et viols de la Constitution ivoirienne. Le président français Emmanuel Macron y ajoute d'ailleurs qu'il revient à chaque peuple de défendre sa Constitution. Fiers Ivoiriens, le tam-tam parleur a déjà retenti sur la place publique. Dignes Ivoiriens, le mouvement citoyen N3M appelle à sortir massivement, partout, sur toute l'étendue du territoire,
dès demain, mardi 6 octobre, à partir de 7 heures, et cela tous les jours jusqu'au retrait de la candidature anticonstitutionnelle de Ouattara. 7. Nous manifesterons pacifiquement, sans âme, mais nous devons tuer la peur en nous, car à cœur vaillant, rien ne pourra nous résister, peuple de Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sortons partout massivement pour manifester pacifiquement, par tous les moyens légaux et légitimes, tous les jours, afin d'appliquer maintenant, efficacement et effectivement, le mot d'ordre de la désobéissance civile lancé par tous les partis de l'opposition et les pro-démocraties. Vaillants Ivoiriens, sortons pour occuper tous les jours toutes les artères principales de nos villes pour faire barrage au troisième mandat de Ouattara afin que les moins courageux nous suivent dans nos déterminations à faire respecter notre constitution. Ivoirienne, Ivoirien, levons-nous dès demain matin, mardi 6 octobre, demain, car la victoire est déjà là. Tuons la peur en nous pour sauver notre chère patrie. Que chacun apporte à l'effort de la lutte selon apport humain, logistique ou financier pour maintenir la flamme des contestations jusqu'au départ de M. Alassane Ouattara de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Même si, par extraordinaire, nous, animateurs du N3M, étions arrêtés par le régime RHDP, il se trouvera d'autres Ivoiriens qui conduiront les contestations jusqu'à la victoire des pro-démocraties. Voici donc le mot d'ordre qui a été très clair. À partir, il faut que chaque Ivoirien, dès maintenant, s'apprête pour que très tôt, demain matin, dans toutes les villes, partout où vous vous trouvez, n'attendez pas que les leaders de l'opposition viennent vous dire ce que vous devrez faire. Il faut que chacun sorte, il faut que chacun tue la peur en lui. Il faut que partout où nous sommes, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il faut un seul Ivoirien pour une seule Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas céder à la division. Il ne faudrait pas que certains pensent que d'autres Ivoiriens sont contre le nord ou les Ivoiriens du nord sont contre ceux de l'ouest. Il faut que, main dans la main, on comprenne que nous devrons bâtir la nation. Et pour bâtir, il faut une constitution respectée. Il ne faudrait pas laisser nos dirigeants, le RHDP, piétiner la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne interdit le troisième mandat au président sortant Alassane Ouattara. Il faut qu'on tienne, il faut qu'on arrive à empêcher ce troisième mandat, car nous risquons, comme je l'ai dit dans le texte, de mettre une jurisprudence qui permettra à d'autres présidents plus tard, après Ouattara,
de faire toujours le compteur à zéro, de remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire après les 2 ans, les 2 mandats, il peut faire 3 mandats, et même remettre le compteur à zéro et partir encore pour 2, 3, 4, 5 mandats. C'est maintenant que nous devons mener le combat. Ce n'est pas à nos enfants de mener son combat, ce combat. Nous sommes donc ouverts aux questions. Merci. Elle a soulevé le toit. Ok. Ok. On va passer aux questions. Yeah, we can go. Donc, on a Léa de Bloomberg Media, c'est là. Oui, c'est une agence américaine. En fait, le président Ouattara a déjà annoncé dans l'interview avec Jeune Afrique en mai 2018 que la possibilité existe et il peut venir à un troisième mandat. Pourquoi est-ce que ce mouvement citoyen on peut répondre directement. Oui. Donc, la dame qui représente le média américain demande, étant donné que le président Ouattara avait déjà dit qu'il pouvait se présenter, pourquoi c'est maintenant que nous manifestons? Ben, madame, vous savez, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, a mis sa confiance dans le travail des experts. Et ces experts sont venus. Ils sont venus pour convaincre le peuple ivoirien en expliquant les modifications qui allaient être apportées sur la Constitution. Ils ont affirmé, avec même Bakongo, un expert qui faisait partie, donc un proche de Ouattara, bien sûr, ministre de Ouattara, mais qui faisait partie au niveau de la présentation faite, à part même la lecture de la compagnie. Moi, à mon sens, ce n'est pas compliqué. Vous avez présenté le présentant du JTDC sans le nommer. Vous avez présenté, vous êtes nommé sans dire quel groupe vous représentez. Deuxièmement,
On sait que tout citoyen ou alors tout militant n'est pas le président de la voie citoyenne. Ça, c'est vrai. Mais votre mouvement est en partie composé des militants de la voie citoyenne. N'avez-vous pas peur qu'on vous confonde avec un mouvement politique? Ok. Rencontre à droit. Bon, l'autre, c'est Plochal, bien sûr. J'ai dit qu'il représente le GPS. Voilà, donc moi, je représente la société civile. Les autres conférences de presse, il y avait le nouveau majeur qui couvre toute la Côte d'Ivoire, qui était aussi présent. Il y a Agi de M. Aipo, qui est aussi là. Le COGEP, dont le responsable est chargé de la communication, donc qui n'est pas devant les caméras et qui est aussi au sein de donc nous sommes, voilà, le FPI. Bon, pour quelques raisons que vous savez plus ou moins, ils ne sont pas présentement là, sinon ils sont informés de tout. Voilà, donc c'est un peu tout le monde. Il y a oui, comme je l'ai dit, il était à la conférence la dernière fois. Voilà, un représentant du nouveau majeur, d'un nouveau majeur. Donc c'est pour rebondir directement sur ta question. Voilà, on donnerait c'est des partis politiques, c'est la politique. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'on nous taxe? Non. En fait, j'ai fait la précision. J'ai dit que ce n'était pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen. Comme cela s'est fait et se fait depuis des mois à Hong Kong. Comme cela s'est fait au Sénégal, le M5 au Mali, le Front Républicain ou quoi, la défense de la Constitution en Guinée, un peu partout. Ici, c'est un front, un sursaut à partir duquel les Ivoiriens vont manifester. Parce qu'on ne voudrait pas que cette lutte-là soit la lutte des Pucheri Balé en tant que société civile et du président Sorodium ou du COGEP. C'est à nous, le mouvement, d'exécuter et de coordonner toutes les actions sur le terrain. Donc, nous n'avons pas peur. Voilà, parce que la peur, c'est vrai, c'est un sentiment humain, mais lorsque tu défends la justice, tu es quand même, tu es fortifié quelque part et tu n'as pas peur, parce que tu sais que tu es dans le juste, tu sais que tu défends la Côte d'Ivoire. On n'a pas demandé aux Ivoiriens de... On a même dit que nous allons manifester de manière pacifique, sans les armes. Ok, donc à partir du mois où j'ai cité les différentes composantes, je pense que ça te rassure, parce que c'est les nouveaux majeurs, c'est la société civile, ACI, c'est la société civile, Trop c'est trop, c'est la société civile, il y en a plein comme ça, et puis il y a bien sûr les partis politiques, pour que ensemble on ne fasse pas, on n'agisse pas de manière désordonnée. Il faut coordonner, il faut travailler dans la cohésion. Voici un peu l'objectif du mouvement citoyen.
parler de matériel roulant. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières cette fois-ci pour protéger les manifestants? Et la deuxième question, j'aimerais répondre ici la question du conseil. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame? Est-ce que quelque part ceux qui veulent accéder à la solde des partis politiques n'ont pas quelque part raison? Pour une question de neutralité, de donner plus de valeur à vos actions, est-ce qu'il n'était pas bien sûr que, par exemple, le mouvement citoyen que vous êtes de la société civile, que vous teniez vos conférences de presse hors des locaux des partis politiques, par exemple? Parce que ça donne l'impression que vous êtes la main cachée des partis politiques. Ok, merci. Comme tu l'as si bien dit, hein, j'avais déjà répondu, mais c'est toujours bon de revenir sur ça. C'est à partir de la composition d'une structure qu'on peut la juger. On a bien dit que ce n'est pas seulement la société civile. C'est l'ensemble des organisations de la société civile et des partis de l'opposition qui se mettent ensemble pour une cohésion des actions, pour coordonner les actions. Donc, nous n'avons pas besoin qu'on nous taxe de X ou de Y, parce que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes tous ensemble. Voilà, ce n'est pas seulement la société civile. Ok. Okay. Maintenant, ok, merci. Je ne voulais pas parler de ça, mais bon, comme il y a un journaliste qui a demandé qu'il a eu l'information, qu'on a déjà été l'objet d'un manque, c'est-à-dire on a failli nous enlever. Oui, effectivement, il y a quelques jours de cela, on a failli être enlevé. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est par la grâce de Dieu et la vigilance du chauffeur de notre véhicule que nous sommes sortis vraiment de cette opération menée par, comme on dit toujours, les encagoulés, parce qu'ils sont encagoulés, on ne peut pas les identifier. Donc nous sommes menacés partout, voilà. Mais ce n'est pas une peur, je n'ai pas peur, comme je le dis. Si aujourd'hui, moi je ne suis pas là, il sera là, quelqu'un d'autre sera là. Même ceux qui ne sont pas à la table des sciences, il y aura forcément quelqu'un qui viendra prendre la relève. Les gens ont pensé qu'en arrêtant quoi, en arrêtant Plucherie Ballet, en arrêtant bien d'autres personnes, ben, le mouvement allait s'arrêter. Non, nous sommes plus que aguerris, nous sommes plus que déterminés pour mener cette lutte, donc nous n'avons pas peur. Maintenant, frère, ta question, pourquoi nous faisons la conférence ici dans un siège, ok? Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a fait plusieurs conférences au siège de ACI, donc qui est une association, une organisation de la société civile. Nous nous sommes aussi retrouvés au siège du COGEP par moment pour des réunions. Nous nous sommes aussi retrouvés ici, aujourd'hui, là où nous sommes. Donc nous partons un peu partout pour d'abord une question de sécurité, mais en même temps pour montrer que toutes ces organisations font partie effectivement du mouvement citoyen non au troisième mandat. Voilà, c'est juste une manière de donner la preuve. C'est un peu ça. Voilà. Serge ? Oui. Quel passé, monsieur le certificateur ? C'est bien ça. Bien sûr. Voilà. Donc, je voulais savoir quel est l'avenir qu'on pourra faire. Parce que, comme vous venez de le dire, vous êtes un mouvement citoyen, vous n'êtes pas un parti politique. Or, vous fonctionnez un parti politique, vous venez de le reconnaître, vous faites des vos activités dans les scènes des partis politiques. Quel est l'avenir de votre mouvement? Et si ces partis-là arrivent au pouvoir, hein, est-ce que vous serez toujours un mouvement citoyen? En ce qui concerne la désobéissance civile, hein, que vous prenez à partir de demain, voilà, quelle est son efficacité? Quelle action vous mettre en place pour aboutir positivement au respect de la candidature à la Saint-Ouattara? Et je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure. Si jusqu'au 31, le président à Saint-Ouattara peut compter pour faire. Ok. La première question. Quelqu'un peut me. Oui, l'avenir, bien sûr, bien sûr. Parce que pendant que tu parles, j'ai réfléchi en même temps. Donc, l'avenir de ce mouvement. Bien sûr que nous allons nous attendre, mais pour ce que nous savons pour le moment, ce que j'ai entendu de la bouche de mes collaborateurs, c'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement politique. Donc, en principe, à partir du moment où nous disons non
au troisième mandat de Ouattara et que ce mandat est retiré, en principe, nous devons orienter peut-être le mouvement autrement. Sinon, il faut une élection inclusive, il faut réviser la liste électorale, il faut réformer le Conseil constitutionnel et la commission électorale qui n'est pas indépendante. Donc voici, au-delà de l'objectif principal qui est le non au troisième mandat, lorsque tous ces éléments sont réunis, mais bien sûr, ceux qui sont candidats, ils iront pour compétir et le mouvement, bien sûr, va se retirer. Voilà. Donc, au-delà du 1er octobre, nous n'avons pas encore d'autres perspectives. Notre objectif principal, c'est la souffrance des Ivoiriens. L'objectif des Ivoiriens, qui est le non au troisième mandat de Ouattara. Voici ce pourquoi d'abord nous nous sommes mis ensemble. Je crois que le frère Gustave veut ajouter quelque chose. Les journalistes qui ont bien voulu répondre à notre invitation, merci à vous les préoccupations pour plus d'éclairage. Je voudrais préciser que le mouvement 3M3M, qui est non au troisième mandat, est un mouvement citoyen. Il a pour objectif de lutter contre la troisième mandature d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, au sein de ce mouvement, il y a la société civile, il y a les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas un mouvement politique? Rappelez-vous qu'en 2010, lorsque la CEI se sentait menacée, elle est partie donner les résultats au Golf Hotel. On se rappelle, dans ce pays, nous sommes tous dans ce pays. La CEI est partie donner les résultats au Golf Hotel. Mais le Golf Hotel n'est pas le siège de la CEI. Mais dans la justice, nous avons validé, la société, la communauté internationale a validé les résultats de la CEI. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, nous faisons notre conférence de presse là où on se sent en sécurité. On a lancé des mouvements le 13 août dernier. Dès que le président Ouattara, à son adresse à la nation, a annoncé son temps de mandat, les Ivoiriens, par l'appel de Mme Pluchet-Ballet, sont sortis spontanément dans la rue. Mais on a vu l'opposition sur le terrain. On a vu que le pouvoir
a envoyé contre les manifestants au menu des microbes, des badauds, pour les agresser, pour les menacer. Il y a eu des morts dans ce pays. Mais attends, nous prenons nos dispositions. On n'appelle pas les Ivoiriens à aller à l'abattoir. On appelle les Ivoiriens à aller contre le troisième mandat qui va contre la paix en Côte d'Ivoire, la paix sociale en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à cela que nous en tenons. Notre appel, notre mouvement, c'est pour demander à M. Alassane Ouattara qu'après deux mandats, c'est fini. La Côte d'Ivoire, la Constitution de Côte d'Ivoire ne permet pas un troisième mandat. Je vous remercie. C'est bon ? Oui. Oui. Bon, donc... Ok. Ben, comme c'est vraiment pour des questions d'urgence, je pense que je réponds à ça rapidement. Et puis, l'efficacité, on ne peut pas exposer ici nos stratégies. Voilà, dans tous les cas. Il y a le responsable, donc, celui qui a été délégué par le FPI, comme on l'a dit, qui est dans la salle. Donc, je le salue. Voilà, vous prendrez connaissance à lui tout à l'heure pour dire que vraiment tout le monde est représenté dans ce mouvement. Une dernière question, c'est ça ? Ok, les forces de l'ordre, ben, d'abord, c'est des Ivoiriens. Voilà. Ils sont, il y a des djoulas, des responsables, des ressortissants du nord, de l'ouest, du centre, du sud et de l'est. Nous sommes tous Ivoiriens. Les forces de l'ordre ne sont pas faites pour massacrer, pour réprimer ou pour assassiner, pour aller contre le peuple. Leur rôle est de protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Leur rôle est de se mettre du côté du peuple, du côté de la justice. Et ils savent, ces policiers, ces militaires, notre armée, sait très bien que le président Alassane Ouattara est en train de piétiner notre constitution. Il revient donc aux forces de l'ordre de nous protéger pour ne pas que ceux que le RHDP arme, ces microbes s'attaquent à nous. Donc nous demandons aux forces de l'ordre, nous demandons à nos frères policiers, à nos frères militaires, à nos frères gendarmes de nous protéger, de se mettre du côté du peuple, comme ça s'est fait dans bien d'autres pays pour la défense de la démocratie. Mettez-vous du côté de la vérité, mettez-vous du côté de la justice, mettez-vous du côté de la démocratie. Nous allons compter sur vous et nous savons que nous allons pouvoir compter sur vous. Merci à tous les journalistes qui sont venus. Vous vous êtes déplacés de manière massive. Les journalistes des médias locaux, les médias internationaux, c'est une importance, un intérêt très important que vous avez accordé à notre mouvement. Et nous pensons que les Ivoiriens vont se mobiliser de demain jusqu'à ce que le régime de Ouattara décide de ne plus présenter Ouattara au troisième.